Nous très contents. Est-ce que tout le monde là, je dirais, nous répondons en nom l'invitation de Point de Presse qui fait aujourd'hui. Premièrement, nous avons dit son mise au point que nous voulons faire, puisque après environ 2 mois, depuis que il y a des sanctions les prend par le pays, États-Unis et Canada, contre moi-même personnellement. Et après sanctions Sayo, nous avons dit que c'est des sanctions politiques. D'ailleurs, que plus monde est d'accord, c'est des sanctions politiques. Il était important pour me faire une mise au point ça, je dis à 2 mois après. Date 4 novembre 2022. Nous disons premièrement à tout le monde qui attend de nous, que ce soit en direct ou bien par la presse qui est présente, que moi personnellement, moi victime déjà de sanctions SAIO en la PIA. Côté en 2007, justement, au niveau des États-Unis, on a dit qu'il y a une suspicion. Sous nous et ils prennent des décisions vis-à-vis nous parce qu'il y a une suspicion. Et depuis le SAM, tu as entamé une bataille qui t'a fait que 3 ans après, au niveau de Wikileaks, nous disons ouais, c'est Fritz Meuse, on est qui t'a accaparé pour vous arriver là, qui t'a à l'autre plainte, qui t'a dénoncé. L'ambassade américaine le 5 mai 2005 parce que le papier est payé pour qu'on arrive là et me dit le payer. Et le Sahara, bataille a été faite jusqu'à ce que mal devant tribunal, jusqu'à ce que toute famille ait dit que ça monsieur était fait à pas bon, nous avons devant tribunal et nous avons gagné la bataille là. Et monsieur était présenté, excusez-moi, parce que ils connaissent ça le défait à pas bon, c'est pour le décal capable pour qu'on arrive là. Il faut nous rappeler en passant que pour ça actuellement dans l'État, puisque la bataille ça que nous avons fait là, c'était pour que l'État te récupère pour. Et là ça, nous venons arriver, nous voyons que pays comme les États-Unis te réévaluer justement question sanction qui ont été contre nous. Eh bien, le 4 novembre 2022 vient arriver. Nous venons trouver une situation côté international là, vient annoncer encore sanctions contre nous. Nous venons par la presse, nous apprenons ça, puisque nous n'avons jamais signifié nous aucune décision. Immédiatement que la question ça est venue, nous avons dit que c'est des sanctions politiques, puisque nous connaissons ça qui est arrivé déjà. Nous avons entrepris plusieurs actions. Action que nous apprenons, nous avons écrit pays États-Unis, nous avons écrit pays Canada, parce que nous avons parlé de façon générale, pour nous demander qui ça que nous reprochons spécifiquement. À date, nous n'avons jamais répondu. Mais nous-mêmes, nous continuons à travailler. Et c'est notre travail, ça, qui fait que nous venons découvrir. Un document. Nous venons découvrir un livre qui est écrit et en anglais, Zombify, et en français, les dossiers zombies. Côté que le livre ça a été fait pour le sénateur Yuri Ladotu. De première page jusqu'à dernière page, c'est des accusations à n'en plus finir contre moi-même. Et là, nous avons gardé. Mais les vieux là, ni en français, ni en anglais. Mais, arrêté sous question sanction, il a tout. Dossier, on se met toujours marcher avec dossier. Bah, j'en parler sans bagage dossier. Nous comparer le livre là, qui sortit en 2019, avec, ça nous a dit, eh bien, décision qui prend aux États-Unis et au Canada. Ça nous est. Auteur livre là. La privée solitaire. Ça nous voit dans le livre là. Dans le livre, auteur livre là, sont
On nom que nous voyons les Maxwell. Maxwell. Ça très important, mais pour arriver, c'est le maman du ciel. Eh bien, ça nous est dans le livre ça. En 2019, que le livre a sorti, il dit, le livre l'a accusé. Il dit que Yuri la torture a fait droit avec le pays Colombie. C'est ça que dit dans le livre là. Dans chapitre 9, page 147 et 148. C'est ça que dit dans le livre là. Eh bien, dans la sanction, il prend 4 novembre 2022. Je dis dans la décision que m'a fait droit avec le pays Colombie. Le premier bagage. Deuxième bagage. Je dis dans le livre là, dans le chapitre 10, page 159, 164, 165, 166, 167, 168, que m'a trafiqué les armes avec l'Afrique du Sud. Je dis dans la sanction, que moi-même tout m'a fait la victime avec pays étranger. Et dans le livre là, nous avons peut-être nous voyons comment nous qui écrit le livre ça beaucoup arrivé sous nom. Comment il définit, il dit m'a fait la victime avec pays l'Afrique du Sud, nous avons compté des armes qui étaient arrivées dans le douane Port-au-Prince. Pour qui ça ne va pas des conteneurs parce que pas de courant, nous qui t'a supervisé le conteneur, comme pas de courant, pas supervisé, nous devons aller comme ça. C'est pour montrer comment Max Kell, mec, il dit qu'il écrit ça. C'est envoyé monter, puisque dans le livre ça, il n'y a pas rien d'académie ni de prouvé. Troisième, ça, il dit dans le livre là. Il dit me faire participer à la violence. Il dit, moi, j'ai distribué ça en 2009 dans le livre là, oui, avec René Mon Plaisir. Tout le monde connaît que moi j'étais dans l'opposition avec le président Rival, pas qu'il n'y a aucun rapport avec moi-même et René Mon Plaisir. Je dis dans le livre là, dans le distribué des armes. Dans le chapitre 11, page 169 et 175, dans le chapitre 12, page 189 et 191. Alors que je dis dans la décision sanctionnelle que moi-même me fais violence également dans, avec bandits. Dans le quartier populaire. Donc nous voyons exactement ça qui dit dans le livre là, Yovin reprenne dans la décision. On continue. Le livre là est écrit par Max Kell. On a regardé non, nous voyons M-A-X-K-I-L. Non, ça, d'après ça, il dit, c'est officier qui travaille aux Nations Unies en Haïti. Comme dans le livre ça, à la fin, là oui, M. Tissot officier qui travaille aux Nations Unies, en décembre, nous écrit Nations Unies. Nous disons Nations Unies, mais il y a un officier qui dit la travail à Kayo, qui écrit sur nous, qui fait diffamation, nous t'a aimé ou même ou identifié. Jusqu'à date, pas de réponse. Nous sommes obligés. Nous n'avons pas de réponse, parce que nous n'avons pas qu'à camper là, son dossier politique. Nous sommes obligés d'envoyer une équipe juridique en Haïti et aux États-Unis. L'équipe juridique, ça permet de nous découvrir vrai monde qui est écrit là. Le monde qui est écrit là, il est Bernd Rappner. Bernd, B-E-R-N-D-T, Rappner, G-R-A-B-N-E-R. En effet, monsieur, c'est un officier qui travaille aux Nations Unies en Haïti, son Autrichien, qui travaille de 2005 à 2015 et qui, d'après ça, dit, a travaillé dans des dossiers en bas, des dossiers informels. Monsieur était quitté, je rentre à Haïti en 2005, il est quitté en 2015 et actuellement, monsieur travaille en Afrique. Mais ça nous vient, ouais. C'est que Bernd Rappner, il fait toute bagaille, font des bougons en pile dans l'investigation, dans le dossier, pour découvrir tout ça. Et Jean-Paul dit, là, pas même quoi que les Nations Unies connaissent ce monsieur qui écrit le livre là. D'ailleurs, dans le livre, il a accusé les Nations Unies tout. Il dit que les Nations Unies ont transporté l'eau dans la machine. Eh bien,
Ça, monsieur fait dans le livre là. Nous connaissons. Là, on livre avec lui de façon académique, on rapport avec lui de façon académique, moi je fais plusieurs rapports, on est obligé d'identifier. Eh bien, dans le livre, ça, pas gagné maison d'édition. Pas gagné maison d'édition. Lui-même qui fait propre livre, lui publie. Pas gagné également enregistrement droit d'auteur. Je t'ai dit, pas gagné compagnie d'édition. Quoi de bon livre là? Ça nous est là. Il n'y a aucun rapport avec le livre-là. Quand on là, dans tout le monde qui est écoute, c'est un ensemble d'informations qui permettent ou lier avec le livre. Ah bien. Email que M. Météa, il va marcher. Et ou pas, je viens en photo de lui. Vous avez dit, est-ce qu'avec mon livre, ou pas accusé des mondes, ou pas identifié, ou pas des photos, ou pas rien. Donc ça veut dire que M. connaît ces haïtiens oui, et que nous ne pas joindre ni. Monsieur, eh bien, écrit livre là pour que l'y mette sous tout réseau Amazon, la vendre, alors que toute salle dit dans le livre là sont track international. Mais, nous allons regarder beaucoup plus. Question, puisque là nous venons à le fouiller zo dans Kalalou, nous voyons que Ben Gardner qui écrit sous corruption dans les années 2015, 2016, 2017. Monsieur, pas parlé du tout de Petro-Caribé, dossier qu'il a fait, 1 million de monde dans la rue, t'a parlé de Petro-Caribé, monsieur pas parlé de Petro-Caribé. Monsieur pas parlé de Dermanon. Monsieur pas parlé de Sofidal. Monsieur pas parlé de franchise au rapport que le Sénat a fait, que nous qui fait. Monsieur Babalé, de contrebandement. Monsieur Babalé, de question passeport. Monsieur Babalé, de ONG. Pendant tout ça, il y a 10 rapports qui fait dans le Sénat qui a dénoncé mon cap volé, dont moi-même principalement. Monsieur Babalé, de aucun dossier ça. Et puis, il a fouillé son calado. Et là, dans le livre-là, on allait toujours dans la page 321, 324, ben, mon cap n'a dit. Mais qui est-ce qui était le président d'Haïti? Mais qui est-ce, son ancien premier ministre, comme si c'était mon analyse. C'est monsieur qui est le président d'Haïti qui a fait meilleur. Et c'est un homme qui, premier dilapidateur, font vite pour l'arrivée. Et c'est le ça. Et c'est le ça. Enquête nous, à continuer. Et c'est le ça. Nous vivons, ouais. Et le président Jovenel. Et en février 2019, ils font un discours, nous changeons. Ils disent mon opposition, c'est eux qui ont droit. C'est eux qui ont bandit. Et c'est le ça, ils ont remis, parce que le livre a sorti en mai, ils ont remis le rapport ça. Quand toutes les qui étaient en opposition, donc moi-même personnellement, qui étaient, eh bien, qui étaient fermés pour arriver, et nous changeons. Le rapport ça sont faux, puisque nous connaissons exactement le ça. C'est le président qui te paye, eh bien, et Anel, pour que tu devines, puis tu fais démagogie, mais en même temps, tu fais un dossier. Brent Gartner, je dis dans le livre là, regardez bien, je dis dans le livre là, que les travaillent en collaboration avec l'ambassade américaine, et c'est là le dossier. Je dis, ils vont mettre dans l'ambassade là. Je dis que tout ça le fait, l'IFEO, en collaboration avec l'international. C'est qu'on y a nous venons découvrir comment officier des Nations Unies ça l'entend avec gouvernement, contre opposition et secteur mafieux qui était dans le Pétro-Caribéen, dilapidateur qui était dans le Pétro-Caribéen. Et ce dossier ça qui montait depuis 2019. Contre opposition et contre monde qui t'a dit vérité pour y'a fait caractère assassiné. Ça veut dire, y'a pas qu'à tuer, y'a voulu détruire caractère. Yo. Mais pas oublier que même monde ça qui devine côté même dans les pays au Caribéen, qui te dit, y'a bon tout avantage pour battre maintenant, yo, dans les pays au Caribéen, qui te fait menace
justement c'est Mounzaïo, que Ben Gardner dit qu'il voulait président d'Haïti parce que c'est nous qui piquons dans le pays. Et nous dit tout, parce que nous ne sommes pas tombés d'ennemis. Nations Unies, pas qu'on est, c'est nous qui écrit Nations Unies pour nous dire. Nous écrit Bureau Affaires Légales qui est dans New York pour nous dire que même qui écrit livre ça, parce que dans le même livre là tout, lui critiquer Nations Unies. Et actuellement, la travaille pour Nations Unies en Afrique. Puisque il est retourné travailler de 2019 à 2021 en Haïti, et qu'on y a, il y a en Afrique, la travail pour Nations Unies. Donc nous-mêmes qui avons écrit Nations Unies pas de café travail là. Nous joignons maintenant, nous écrit Bureau Affaires Légales à New York pour nous dire, mais ça, on employé à faire. Et nous allons dire nous, qui ça nous-mêmes, dit dans l'être là tout à l'heure. Fort de tout ça qui passé là. Nous venons comprendre comment le gouvernement haïtien, secteur mafieux, est au Caribéen, avec officier Sarah, et peut-être l'autre, a monté dossier sur le monde pour que ne t'ai pas détruit l'opposition. Donc moi-même, qui t'ai écrit 10 rapports pour éclairer Gémonio, dans le Caribéen, côté 1 million de monde qui est dans la rue, qui a dit qu'il n'y a pas de corruption. Fort de tout cela, nous sommes dit d'aller, nous écrit affaires légales, bureau affaires légales, pour nous dire que je dis, nous m'a dit au bureau des Nations Unies, font confrontation entre nous-mêmes et Ben Gardner. Parce que s'il écrit sous nous, je dis, nous avons besoin. D'ailleurs, nous avons côté, monsieur, en Afrique, nous faisons des marches pour nous parler avec elle, pour nous confronter. Et le pape lui fait confrontation. Nous voulons faire confrontation parce que ça, monsieur, écrit sur nous, il écrit sur tout réseau, il écrit dans le livre, il écrit dans l'ambassade pour que lui détruit justement la personnalité nous et nous demander du affaire légal là pour faire confrontation. Sinon, justement, pour que nous retirer le livre de circulation. Ou du moins révoquer pour que nous-mêmes nous poursuivre devant la justice comme c'est envoyé Nations Unies que lui. Nous m'avons dit, tout pays, États-Unis, Canada, qui t'est servi à la COSAIO, pour que nous réévaluions les questions. Parce que je dis à bataille là, ce n'est pas étranger qui a fait le bon. C'est même monde en d'un pays ça, qui a découvert la corruption dans volet, qui ont même. Il y a l'argent dans les mains, il y a moyen pour y arriver à craser les gens. Et moi-même, je dis ça, sénateur Latour, bonne bataille. Et ma bataille, parce que je dis à Mounzaïo, je pense que vous avez fait n'importe qui bagaille dans le pays. Nous disons, nous ne pouvons pas tomber d'ennemis. Ce n'est pas des dossiers qui sont faits aux États-Unis, qui sont faits au Canada. C'est des dossiers qui sont faits ici. Et trio qui côté dossier ça yo, c'est Ben Gardner qui sont officiers des Nations Unies avec peut-être l'autre, c'est dilapidateur Petro-Caribe yo, et c'est gouvernement haïtien yo même qui devant mauvaise gouvernance pense que meilleure façon pour le faire c'est craser moun qui campe tête à tête avec eux. Et c'est peut-être ça, nous prenons un chemin légal là pour affronter le dossier. Et nous affronter le dossier, mais ça, Ben Gardner a bail tout le monde qui était campé avec lui. Parce que je dis à nous passer. Après 2 mois de silence, on a fait silence là parce que nous avons besoin de bagages. Premièrement, on est ça au prochain spécifiquement. Et en même temps, enquêter sur le dossier. Et moi, merci à tout le monde. Équipe juridique ici et aux États-Unis qui permettent que le travail ça est fait, que je dis à nous qu'à découvrir volume dossier que un monde
capoter, pour le détruire l'autre monde. Pour écrire un livre, côté que livre là son tract international, ou accuser un monde, il n'y a pas aucune référence. Pour que livre ça, la circule dans toute communauté internationale là, il y a plein de paroles là-dedans pour vrai, alors que il n'y a pas rien de vrai là-dedans. Et pour que Ben Gabne ça, il continue à travailler dans les Nations Unies, sous l'autre nom. Il mettait un nom de Maxwell, c'est bon, où on a écrit son livre pour accuser le monde, bon, et que je dis à, ou caché, pour que vous écrit ça, et monsieur connaît pertinemment que dans l'autre pays, il n'a pas fait ça. Et les Nations Unies doivent prendre responsabilité, parce que les Nations Unies n'est pas venu pour la craser, le monde a fait politique. Je dis à nous regarder les Nations Unies, que ce soit en Haïti, et que ce soit dans New York, parce que là où ils viennent pour nous aider avant l'autre amélioration, ils ne pas venir pour détruire le monde que ils ne pas d'accord avec. Et c'est dans ce sens-là. Moi, je dis, moi, je vais continuer. Question ça. Nous avons une réponse du Bureau Affaires Légales. Nous avons fait toute démarche pour nous arriver à faire confrontation. Mais pendant ce temps, nous soumettons le dossier à tout le pays pour nous réévaluer. Question et pour y voir comment il y a des gens qui mènent au prendre des décisions qui sont purement locales, qui sont purement dans l'intérêt. Parce que si je dis, tout le monde connaît, c'est le sénateur La Tortue qui débat le plan pour que yo fini la question de dire. C'est moi qui débat le plan, qui dit si on applique dans 3 mois, dans bonne autre situation. C'est moi qui te prends position pour équiper la police. Et depuis novembre, tout le monde a regardé pour voir comment la situation est, sans pas besoin de faire commenter. Mais ça m'a dit, après que je finis d'écrire Bureau Affaires Légales, dans New York, je vais continuer la bataille. Bataille pour la sécurité de l'Haïtien. Parce que je dis à le peuple là, il n'y a pas de sécurité. Il faut batailler ça, continuer. Bataille ça, que je dis, consacrer la donne depuis 2021. Moi, j'ai besoin d'éclaircir la situation pour montrer côté dossier politique ça, les outils, et m'attendre que l'institution réagisse. Mais pendant ce temps, on va continuer la bataille pour le pays. Merci beaucoup et à la prochaine.